Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse. Très heureux de vous retrouver pour cette étude biblique. Donc nous continuons l'épître aux Romains de l'apôtre Paul et nous allons continuer au premier chapitre toujours à partir du verset 18. Du verset 18 jusqu'au verset 32. Alors, je fais un tout petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Donc, cet épître aux Romains, écrite par Paul, s'adresse à une église de Rome qui lui est inconnue. Et les chrétiens de Rome, en fait, ils sont devenus chrétiens certainement par l'entremise d'autres disciples qui, auparavant, avaient séjourné à Rome. Dans toute la traduction, c'est-à-dire le début du chapitre 1 que nous avons vu la dernière fois, eh bien, on voit que l'apôtre Paul, en fait, ne se définit pas lui-même, enfin en tout cas, il se définit bien comme apôtre, c'est-à-dire envoyé de Dieu, selon l'étymologie du mot apôtre, hein, qui vient du grec apostolos, qui veut dire envoyé. Nous avions vu qu'il y a différents types d'apôtres. Il y a les apôtres, donc, qui étaient ceux de Jésus, les 12. Et puis, petit à petit, voilà que Paul, lui, se trouve être le 13e apôtre, si on veut. Et puis, de nos jours, et puis depuis que l'Église existe sur Terre, il y a des apôtres, effectivement, qui font partie des 5 ministères, tels que le décrit Paul dans Éphésiens 4. Alors, Paul, lui, il le souligne, il insiste dessus en disant « Je suis mis à part, appelé d'abord, appelé à être apôtre. » Alors appelé par qui ? Ben, appelé par Dieu, non pas appelé par lui-même. Il ne s'est pas auto-appelé, ne s'est pas auto-proclamé, mais c'est bien Dieu qui l'a appelé. Et j'avais étendu la réflexion sur le fait que les ministères tels qu'ils sont pratiqués aujourd'hui dans l'Église, eh bien, beaucoup ne sont pas appelés de Dieu, mais ce sont des personnes qui se pensent éventuellement appelées de Dieu et qui s'auto-proclament serviteurs de Dieu. Alors, bien sûr, nous sommes tous appelés à servir Dieu, mais nous ne sommes pas tous appelés à le servir dans un ministère, parmi les 5 ministères, bien sûr. Pour cela, il faut avoir reçu un appel divin, un mandat divin. Et c'est là où on constate énormément de dérives sectaires dans l'Église d'aujourd'hui, c'est que beaucoup de serviteurs de Dieu pensent que Dieu les a appelés alors que ce n'est pas le cas. Ils se pensent peut-être appelés sous le coup d'une émotion, sous le coup d'un sentiment peut-être un peu fort, ou bien parce que ils ont fréquenté des serviteurs de Dieu, et c'est peut-être par imitation, ils veulent aussi servir Dieu dans le ministère. Mais c'est extrêmement dangereux, et il faut savoir qu'à la longue, ces faux ministères, ces ministères entre guillemets, ne tiendront pas la route. Donc Paul se dit vraiment appelé de Dieu, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Il n'est pas là pour annoncer, en tout cas pour parler de la loi de Moïse, il n'est pas là pour parler de l'ancienne loi, mais il est là pour justement apporter la loi nouvelle, la loi de Christ, le Messie, le Mashiach, c'est-à-dire celui qui est oint, pour annoncer donc la bonne nouvelle de l'évangile du Messie. Et toute l'épître aux Romains tourne, en fait, véritablement autour de cette pensée forte, une pensée messianique. C'est-à-dire que tout, finalement, et d'ailleurs tout l'évangile de Paul, si on peut l'appeler ainsi, tout l'évangile de Paul repose sur la destinée messianique d'Israël. Et donc, par voie de conséquence, de l'Église de Dieu que nous formons en tant que chrétiens, nés de nouveau, rempli du Saint-Esprit, ayant les dons spirituels et servant le Seigneur en esprit et en vérité. Alors, nous commençons
verset 18 que je vais lire, mais je vais le lire assez lentement parce que chaque mot compte. Évidemment, nous avons, en tout cas, j'ai la traduction de Louis II, qui n'est certes pas parfaite, et d'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait de traduction française qui soit réellement parfaite, à part la traduction de Chouraki, que j'utilise aussi souvent, mais qui est peut-être un peu compliquée. Et en tout cas, la plus proche des textes originaux hébreux. Alors, voici ce que dit le verset 18, voici ce que dit Paul, c'est Paul qui parle, hein. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. C'est assez surprenant comme phrase. On peut se poser la question, mais comment peut-on retenir la vérité captive ? Comment peut-on emprisonner en quelque sorte la vérité de Dieu ? Ça paraît invraisemblable. Et pourtant, lorsqu'il va continuer le texte, on va se rendre compte qu'effectivement, les hommes, d'une certaine manière, retiennent la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. D'abord, qu'est-ce que c'est ? Bon, l'impiété. Eh bien, la piété, bien sûr, c'est l'état de tout ce qui va à l'encontre, c'est les comportements, les attitudes, tout ce qui va à l'encontre de la piété, c'est-à-dire de la dévotion à la divinité. Bon, c'est une définition générale. Évidemment, ici, quand on parle de piété, il s'agit de la piété envers Dieu, bien sûr, le Dieu unique, le Dieu créateur. La piété étant un attachement fervent à une religion et à ses pratiques, un amour exclusif envers une croyance, voire envers une personne. On parle souvent de piété filiale. Et Paul le redira d'ailleurs dans l'Épître à Timothée, en 1 Timothée 4, versets 7 à 8, il va lui dire « Exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété. » Vous voyez, la piété, c'est un exercice. C'est quelque chose que l'on doit pratiquer d'une façon constante, d'une façon, je dirais, presque permanente, en tout cas d'une façon quotidienne. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel, c'est-à-dire tout ce qui est sportif, gymnastique, etc., est utile à peu de choses. Il ne dit pas que c'est inutile, mais il dit que c'est utile à peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir, c'est-à-dire de la vie de l'éternité. La piété est utile à tout, n'est-ce pas ? La piété, elle englobe tous les domaines de la vie de l'homme. Et je reprends un peu par rapport à l'exercice corporel dont il parle, et je vois que, et nous savons, nous rendons compte que dans notre siècle, les hommes, et aussi les femmes bien sûr, attachent beaucoup d'importance, et je dirais même beaucoup trop d'importance, à tout ce qui est physique, à tout ce qui touche au corps, tout ce qui touche à l'apparence physique. On voit de plus en plus de gens qui s'adonnent au sport sous toutes ses formes. Il y a des salles de sport, on voit des gens qui font du jogging à n'en plus finir. Je ne dis pas que ce soit une mauvaise chose en soi, mais on remarque tout de même, c'est un peu caractéristique de, j'allais dire, c'est presque cette adoration du corps que l'on a dans ces siècles depuis déjà pas mal de dizaines d'années, et ça s'accentue d'ailleurs. Il n'est pas rare que lorsque l'on sort de chez soi, en tout cas moi c'est le cas, lorsque je sors de chez moi pour aller faire des courses ou autre, je vois la plupart du temps des hommes et des femmes qui passent leur temps à courir, ils sont habillés en survêtement ou alors ils font du vélo, enfin tout ça c'est très bien, mais je dirais il y a presque de l'abus dans ce genre de pratique. On attache une importance presque exclusive au corps et on néglige tout ce qui touche à l'âme. Et c'est bien, je dirais, le drame de notre société moderne. L'exercice corporel est utile à peu de choses. Ce n'est pas l'exercice corporel qui va sauver l'homme, bien sûr. Parce que de toute façon, le corps, un jour, retournera à la poussière et ne servira plus de rien. Ce qui est important, c'est de sauver nos âmes. La piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente. Vous voyez,
dans la piété, il y a une promesse. Cette promesse, c'est celle de notre vie présente, puisque Dieu nous fait des promesses, même pour notre vie aujourd'hui. Dieu nous fait des promesses. La Bible est remplie de promesses. Et de celle qui est à venir, c'est-à-dire la vie après la mort. La vie éternelle, lorsque nous ne serons plus de ce monde, eh bien, la plus grande promesse que le Seigneur nous a faite depuis notre nouvelle naissance, c'est que nous héritons de la vie éternelle. Je continue la lecture et je vais parler de la colère de Dieu. En fait, je continue toujours le même verset, mais je vais parler un peu de la colère de Dieu qui se révèle du ciel. Cette colère de Dieu, et oui, parce que Dieu peut effectivement user de sa colère. Et généralement, quand il use de sa colère, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien. La colère de Dieu se manifeste en fait depuis son trône, depuis le trône de Dieu au troisième ciel. Et cette colère, eh bien, on l'associe volontiers à la justice. Et ce thème de justice est récurrent chez Paul. On va le rencontrer très souvent au cours de ses lettres. Mais seule la véritable révélation de Dieu par Jésus-Christ nous permet de mesurer toute la portée de la justice de Dieu et par voie de conséquence du pourquoi de sa colère. Pourquoi Dieu se met-il en colère? Pourtant, on nous dit, oui, Dieu est bon, Dieu est amour, pourquoi est-ce qu'il se mettra en colère, pourquoi est-ce qu'il va se fâcher? Mais vous savez que Dieu est amour, oui, mais Dieu est aussi Dieu de justice. Et Dieu a une haine féroce pour tout ce qui est péché. Et on dirait que certains chrétiens oublient cela. Pour eux, Dieu est amour, point. Non, Dieu est aussi justice. Et il juge les impies et il juge les pécheurs. Alors, pourquoi la colère de Dieu se manifeste-t-elle du ciel? Eh bien, justement, parce que les hommes retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu, verset 19, est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. Dieu leur ayant fait connaître. À qui Paul s'adresse-t-il ici? Il ne s'adresse pas aux gens du monde. Il s'adresse à des gens qui ont connu précisément la vérité de Dieu. On dirait aujourd'hui, il s'adresse à des chrétiens. Ou peut-être à des anciens chrétiens. Des chrétiens qu'on pourrait appeler rétrogrades, c'est-à-dire qui ont connu la vérité, qui ont peut-être même été baptisés du Saint-Esprit, baptisés d'eau et d'esprit, qui ont eu même des dons spirituels, mais qui se sont détournés pour justement retenir injustement la vérité captive. Ces gens-là ont connu Dieu. Alors, la vérité, c'est quoi? Eh bien, la vérité, c'est la vérité qui touche à Christ, à la personne même de Christ, en tant que Dieu, en tant que Fils de Dieu, est créateur de toutes choses. Et cette vérité, elle est retenue. Ce qui signifie que soit certains hommes, et effectivement c'est le cas, certains hommes qui ont connu la vérité, veulent volontairement tenir les autres à l'écart de cette vérité en ne la proclamant pas, tout simplement, ou en la niant. Ce qui fait que beaucoup sont maintenus dans une ignorance involontaire, parce que les gens, ces gens-là, se maintiennent eux-mêmes volontairement dans l'ignorance par orgueil. L'ignorance en soi n'est pas un péché, mais elle le devient quand on veut s'y maintenir, quand on s'y maintient volontairement. Or, ces hommes qui ont connu la vérité veulent la maintenir captive, ne veulent pas que les autres la connaissent, parce que eux-mêmes ont décidé de la taire pour leur propre vie, sans savoir qu'ils se condamnent eux-mêmes en agissant ainsi. Verset 20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil, rajouté comme à l'œil nu dans certaines traductions, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Ils n'ont aucune excuse. Alors, les perfections invisibles de Dieu, quelles sont-elles? Dieu dans sa perfection éternelle, car lui-même est parfait.
Et sa perfection fait que tout ce qu'il a créé est parfait. Mais cette perfection éternelle est néanmoins invisible, parce que personne n'a jamais vu Dieu. Eh bien, cette perfection a créé un univers dont personne, en fait, ne peut saisir en totalité les secrets les plus intimes, qui échappent à toute compréhension humaine, à toute intelligence humaine, même la plus évoluée. Et la science même ne pourra jamais donner la clé des perfections créatrices de Dieu. Pas plus que ne le pourront la philosophie, les raisonnements, toutes les sciences humaines qui, certainement, ont souvent tenté d'expliquer ce qui, en réalité, est inexplicable. Et là, je m'arrête un tout petit instant par rapport à ce qui se passe en ce moment, enfin depuis pas mal d'années déjà, où l'être humain considère la science comme étant la solution à toute chose. En fait, la science est devenue le dieu de ce siècle. Et les savants, j'allais dire les plus avancés, pendant très longtemps, ont voulu maintenir cette notion même de Dieu à l'écart, parce que pour eux, la connaissance scientifique suffisait largement à expliquer le pourquoi du comment par rapport à la création divine. Alors, que n'a-t-on pas entendu comme théorie? La théorie du Big Bang, la théorie de je ne sais quoi, puis ensuite est venue la théorie de l'évolution, de Darwin, mais tout cela, c'est faux, c'est complètement faux. Et l'intelligence humaine ne peut pas, en aucune façon, appréhender les perfections invisibles de Dieu. Malgré tout, on voit que de plus en plus de scientifiques, aujourd'hui, reconnaissent que, effectivement, avec un peu de logique, avec un peu d'intelligence, on ne peut pas dire que le monde s'est créé tout seul. Ce n'est pas possible. Lorsque l'on voit la façon dont les choses sont harmonisées dans la nature, chez nous, nous avons quatre saisons, mais dans d'autres pays, sous les tropiques, il n'y a pas de saison. Mais comment est-ce que les choses peuvent se produire par le seul fruit du hasard? Ça n'est pas possible. Tout est réglé, j'allais dire, comme une horloge suisse. Les francs-maçons appellent Dieu le grand architecte de l'univers. Bon, quelque part, ils n'ont pas entièrement tort. C'est vrai que Dieu est un architecte et un constructeur. Mais justement, il est un architecte qui voit les choses très loin, qui voit les choses d'une précision incroyable, que aucune machine humaine, même un ordinateur le plus perfectionné, ne pourra jamais atteindre. Et d'ailleurs, de plus en plus de scientifiques, comme je le disais, reconnaissent de plus en plus, il y en a à peu près 50-60%, que l'univers n'a pas pu se créer seul. C'est absolument impossible, c'est hors de sens, c'est inconcevable. Il y a quelques dizaines d'années, il y a eu un savant français qui s'appelait Jacques Monod, un généticien. J'avais même à l'époque, j'étais je crois en terminale, j'avais fait un exposé sur Jacques Monod et sur son livre qui s'appelait « Le hasard et la nécessité ». Et effectivement, j'ai lu ce livre et j'étais atterré, enfin quelque part, malgré ma jeunesse, mon jeune âge, j'avais vu que cet homme-là, en fait, voulait hisser la science et particulièrement la génétique à un niveau tel que pour lui, il n'y avait pas de Dieu possible. Que, en fait, tout ce qui existait sur Terre n'était effectivement que le fruit du hasard et de la nécessité, ce qui en soi n'a aucun sens. D'abord parce que chez Dieu, il n'y a pas de hasard. Et si le hasard existait vraiment, ce serait vraiment un hasard extraordinaire. Mais vous voyez comment les scientifiques peuvent se fourvoyer avec des raisonnements humains, des raisonnements humanistes, tout simplement par orgueil. C'est uniquement par orgueil. Alors ils disent « oui, je suis athée, je suis agnostique, je suis ceci, je suis cela ». Mais tout ça, c'est le fruit de l'orgueil humain. L'orgueil humain veut nier l'existence de Dieu de toute façon. Et puis vous avez aussi des gens qui vont vous dire « oui, je crois en Dieu, oui c'est vrai, il y a un Dieu certainement quelque part là-haut dans le ciel, mais franchement, je ne crois pas qu'il ait créé le monde, le monde s'est créé tout seul ». Vous savez, on assiste parfois à des choses absolument
incroyable, incohérente dans le discours de certaines personnes. Alors oui, je crois en un Dieu, mais je ne pense pas que Dieu ait créé le monde. Le monde s'est créé tout seul. Ce qui voudrait dire un peu dans leur pensée, non, mais c'est trop compliqué pour Dieu, vous comprenez. Le monde s'est créé tout seul parce qu'il n'est pas capable de le faire, sous-entendu. Vous voyez comment l'homme peut, par ses raisonnements, j'allais dire, travestir la vérité. Et c'est une façon, en travestissant la vérité, eh bien c'est une façon de la retenir captive. C'est-à-dire qu'on s'interdit de vouloir penser qu'il y a un Dieu créateur de toutes choses, que si la vie existe, c'est parce que Dieu a donné la vie. On s'interdit d'avoir seulement cette pensée de Dieu. Et pourtant, la Bible nous dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et ces hommes, ces gens ont effectivement une certaine pensée d'une certaine divinité sur laquelle ils n'osent même pas mettre un nom. Toujours à cause de l'orgueil. Parce qu'ils ne veulent pas s'imaginer qu'il y ait quelqu'un de plus fort, de plus puissant que eux, qui puisse être à l'origine de toute chose. Vous voyez comment l'orgueil est immense. L'être humain est vraiment d'un orgueil incommensurable. Et c'est pour ça que dans nos sociétés dites évoluées, et qui en réalité ne le sont pas tant que ça, eh bien dans nos sociétés, l'homme se fait lui-même son propre Dieu. Il est son propre Dieu, il se suffit à lui-même. Vous entendrez souvent beaucoup d'hommes d'affaires, qui vous diront « mais je me suis fait tout seul ». Ah bon ? Tu t'es fait tout seul, mais tu es très fort pour te faire tout seul. Ça n'a pas de sens en soi. On ne peut pas se faire tout seul. Nous ne sommes pas maîtres des circonstances, nous ne sommes pas maîtres des temps, nous ne sommes pas maîtres même des situations. Combien d'hommes et de femmes sont surpris par ce qui peut leur arriver alors qu'ils pensaient que tout allait bien, que du jour au lendemain, voilà, il y a une tuile qui leur tombe sur la tête, ils ne s'y attendaient pas. Ils ne pouvaient pas prévoir ces choses. Évidemment, ils ne sont pas Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse prévoir les choses. Il n'y a que Dieu qui puisse prévoir les événements qui vont arriver demain ou après-demain ou dans 10 jours. L'homme est limité. L'homme est extrêmement limité dans sa pensée. L'homme est extrêmement limité. Spirituellement, il est limité. Émotionnellement, il est limité. Physiquement, n'en parlons pas, il est plus que limité. Mais pourquoi se maintenir dans cet orgueil à vouloir nier la vérité? Paul lui-même ne donne pas vraiment d'explication, mais simplement, en suivant la lecture, il va nous donner les conséquences de cette attitude. Parce que cette perfection de Dieu, elle est bien réelle, qu'on le veuille ou non. Et l'on en perçoit même l'existence, puisqu'il le dit lui-même, à travers la nature visible. Si Dieu a créé la nature, il a créé les arbres, il a créé la mer, il a créé toutes choses. On ne peut que s'émerveiller en voyant la nature, bien que l'homme s'ingénie à vouloir la défigurer, à vouloir la salir, à vouloir la polluer, malheureusement. Et la nature elle-même est sujette à la corruption depuis le péché. C'est pour ça que nous voyons que les choses se dégradent de plus en plus. Tout dans l'univers a tendance à se dégrader selon la loi de l'entropie universelle, qui est une loi de la thermodynamique, qui considère qu'il y a un chaos qui se crée de lui-même par dégradation successive des éléments. Mais cependant, la perfection de Dieu, elle est réelle. Et il suffit, pour s'en convaincre, de considérer les beautés de la nature. Verset 21, je continue. Je reprends le verset 20 et j'enchaîne avec le verset 21. En effet, les perfections invisibles de Dieu. Alors pourquoi sont-elles invisibles et pas sont-elles? Parce que Dieu ne nous donne pas le mode d'emploi de sa création. Ça lui est complètement personnel. Il ne nous dira jamais comment il a fait pour créer la terre, comment il a fait pour créer les cieux, comment il a fait pour créer la mer. Ça ne nous appartient pas de le savoir. C'est pour ça que ces perfections, elles sont invisibles. Et il nous donne à voir que ce qui est visible, ce qu'il veut bien nous donner à voir. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, ces hommes qui maintiennent la vérité captive. Verset 21, « Puisque, ayant connu Dieu,
et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est assez fort comme verset. Les termes qu'il utilise sont assez forts. Puisque ayant connu Dieu, donc il s'adresse bien à des gens qui ont connu Dieu, il ne s'adresse pas à des païens, il ne s'adresse pas à des gens du monde. Ils ont connu Dieu, mais ils ne lui ont point rendu grâce. Ils n'ont pas voulu reconnaître. Rendre grâce, en fait, ça veut dire tout simplement accepter et reconnaître les bienfaits de Dieu. Accepter et reconnaître que Dieu a créé toutes choses selon sa volonté, selon sa souveraineté éternelle. Et à conséquence, ils se sont égarés dans leurs pensées. Des pensées complètement charnelles, des pensées humaines. Le positivisme, toutes les pensées philosophiques, tous les raisonnements humanistes. Et leur cœur sans intelligence. Alors l'intelligence, c'est un mot qui, en hébreu, a trois sens différents. Il y a trois mots en hébreu qui expriment le mot intelligence. C'est pas forcément l'intelligence telle qu'on la conçoit, c'est-à-dire la faculté de raisonnement, d'appréhension des choses, etc. Quand on dit qu'un enfant est intelligent, c'est que on mesure même le quotient intellectuel. Je pense pas que c'est une énorme valeur, mais enfin ça existe quand même, les psychologues le font couramment. L'intelligence, c'est-à-dire la faculté d'adaptation, la faculté de compréhension, voilà, c'est ça l'intelligence, mais du point de vue spirituel, il y a trois types d'intelligence. Dans l'hébreu, il y a Rosh Hanar, Tevuna et Da'ata, hein, c'est trois types d'intelligence. Rosh Hama qui signifie la capacité de construire quelque chose, la capacité de construire quelque chose. Roshama. Ensuite, on a Tevuma. Tevuma qui signifie la capacité à discerner. Discerner. La faculté de discernement fait partie de l'intelligence. Et puis, la troisième notion d'intelligence en hébreu, c'est Da'at. Da'at, D2AT, qui est le savoir de ce qui est moral et de ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire la connaissance, acquérir la connaissance divine de ce qui est bien et de ce qui est mal. C'est-à-dire, en fait, savoir faire la différence entre le bien et le mal. Voilà les trois mots que l'hébreu utilise pour l'intelligence. Alors, effectivement, quand on lit ce verset, on voit que le cœur des hommes sans intelligence, c'est-à-dire qu'ils n'avaient ni la capacité de construire quoi que ce soit, ni la capacité à discerner, et qui n'avait pas non plus le savoir de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et par voie de conséquence, eh bien, leur cœur a été plongé dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est un mot fort. Les ténèbres, c'est quelque chose qui est opaque. On ne voit rien à travers. C'est tellement noir que même à peine pourrait-on distinguer même sa propre main. Les ténèbres, c'est quelque chose de très profond. Et pour qu'un cœur humain soit plongé dans les ténèbres, ben, ça veut tout simplement dire que la personne en question, elle est complètement errante. Elle ne sait plus où elle va. Elle est perdue. Elle ne peut plus se retrouver elle-même. En fait, elle ne sait plus même qui elle est jusque-là. Les ténèbres, c'est quelque chose d'effroyable. Et quand on sait que toute l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, c'est-à-dire que tous les gens qui mourront et qui n'auront pas été dans le Seigneur, qui mourront dans leur péché, vivront éternellement dans les ténèbres. C'est terrible. Et éternellement, ça n'aura jamais de fin. Donc les ténèbres, c'est une notion qui est vraiment très très forte. Et on retrouve ça déjà dans l'Écriture à propos des plaies, des 10 plaies qui sont arrivées en Égypte. Il y a eu un moment où il y a eu des ténèbres, mais une ténèbre tellement épaisse que la Bible dit qu'on ne pouvait même pas se voir l'un l'autre. La ténèbre était tellement forte qu'on aurait presque pu la couper avec un couteau. C'est effroyable. Verset 22-23, je continue, « Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. »
Voilà des premières conséquences d'avoir retenu la vérité captive. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils se sont vantés d'être sages, mais non pas selon la sagesse de Dieu, mais selon la sagesse humaine, selon une sagesse charnelle, terrestre, qui en fait est une sagesse purement diabolique. Ils sont devenus fous. Ils ont perdu la raison. Ils ont perdu tout sens commun. Ils ont été errants, ne sachant pas où aller, ne sachant même plus qui ils sont. Et puis surtout, ils ont créé des entreprises de pure folie. Ils ont voulu créer des choses, des chimères, bien sûr, avec la science, avec la technique. Ils sont devenus complètement fous. Ils ont voulu recréer Dieu à leur façon. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. La vanité. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ils ont changé. C'est-à-dire qu'ils ont opéré, un changement, ils ont fait une translation, si on peut dire. Ils se sont dit, non, ce Dieu-là, on ne veut pas le connaître. On ne sait pas qui il est, on ne veut même pas savoir qui il est. Et on va se faire notre propre Dieu. On va se fabriquer des images qui, pour nous, seront des choses que nous allons adorer, que nous allons diviniser à notre manière. Et vous savez que dans certains pays du monde, notamment en Inde, j'allais dire, il y a des milliers de dieux. Ils se fabriquent pratiquement un dieu chaque jour ou chaque mois. Il y a le dieu éléphant, il y a le dieu je ne sais quoi, il y a le dieu cobra, il y a une infinité de dieux. Ce sont des images. Mais ils adorent ces images. Hein, il y a le dieu de la fertilité, il y a le dieu de l'abondance, il y a le dieu de la pluie, il y a le dieu du tonnerre, il y a le dieu de je ne sais quoi. Des images. Alors pourquoi des images? Ben justement, l'homme se crée des images lorsqu'il a perdu l'image de Dieu en lui. Vous savez que dans Genèse, on nous dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Eh bien voilà, la plus grande conséquence grave de cette idolâtrie, car il s'agit d'idolâtrie bien sûr, c'est que l'homme se fabrique des images parce qu'il a perdu l'image de Dieu en lui. Et donc tout peut être sujet à adoration. L'homme lui-même, bien sûr, j'ai dit tout à l'heure, l'homme se fait lui-même son propre Dieu, il s'adore lui-même. Il s'aime tellement qu'il est prêt à sacrifier des milliers d'euros pour son bien-être, pour sa santé, pour son apparence physique. Non, je parlais tout à l'heure des gens qui passent leur temps à faire du sport pour avoir la ligne, pour avoir une bonne forme, etc. Des femmes qui passent des heures et des heures dans le maquillage, etc., pour se faire beaucoup plus belles qu'elles ne le sont déjà. Mais mesdames, gardez votre beauté naturelle. Écoutez, on vous aime tel que vous êtes. N'abusez pas de ces choses, ça n'a pas de sens. Ça peut même vous rendre un peu moins belle d'ailleurs. Donc, des images. L'homme s'aime lui-même. Et il va se mettre à adorer n'importe quoi, même un bout de bois, même une pierre, même un caillou, une rivière. C'est qu'en Afrique, on adore beaucoup les eaux, l'eau. On adore les lacs, il y a des mares sacrées, il y a des lacs sacrés, il y a des rivières sacrées, il y a aussi des forêts sacrées. Mais tout ça, c'est pas Dieu. On adore la créature au lieu du créateur, et c'est ce que Paul va nous dire un peu plus loin d'ailleurs. La connaissance et le sentiment religieux, j'aime pas trop ce mot, mais en l'occurrence, on est un peu obligé de l'utiliser. Eh bien, tout ça n'a pas amené les hommes à glorifier le Dieu vivant et éternel et incorruptible. Même les païens, je peux vous dire, en contemplant les merveilles du monde, beaucoup d'entre eux sont amenés même à se poser des questions et à se dire, mais toutes ces merveilles que nous voyons, c'est vrai que nous ne croyons pas en un Dieu particulier, ou alors on y croit peut-être, mais il est très lointain pour nous. Mais quand on considère la création, on peut quand même pas se dire que ça s'est fait comme ça, en claquant des doigts. Or, les hommes corrompus, privés d'intelligence, devenus fous,
ont dépensé des trésors de science à se pencher sur la création et ses mystères célestes pour les déifier, tout simplement. Ils n'ont pas voulu d'un Dieu créateur, mais ils ont adoré le résultat de la création. Mais ce Dieu créateur, ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas le reconnaître. Et donc l'apôtre dit très justement qu'ils sont inexcusables dans leur folie. Parce que au moins, pouvaient-ils considérer la création et reconnaître qu'à travers cette création qui est parfaite, même si l'homme s'ingénie à la détruire, cette création qui est parfaite ne peut pas en aucun cas être le fruit du hasard. Cette folie est malheureusement de plus en plus évidente aujourd'hui, puisqu'on a déjà les scientifiques qui pensent pouvoir même défier les lois divines. Je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps du transhumanisme, j'avais fait une petite conférence dessus. On veut transformer l'être humain pour lui donner des capacités surnaturelles. Vous voyez, comme l'homme, c'est ça qui est invraisemblable et que je n'arrive pas toujours à comprendre, peut-être vous comprendrez mieux que moi, l'homme pourtant croit au surnaturel. Il croit en des capacités surnaturelles, à ce qu'on appelle le paranormal. Il y a souvent des émissions de télévision qui nous parlent de phénomènes paranormaux, etc., ou bien des gens qui pratiquent l'hypnose, je sais bien qu'il y a certainement beaucoup de supercherie là-dedans. Mais le paranormal, c'est du surnaturel. Le problème, c'est que ce n'est pas du surnaturel divin. Mais le diable, qui ne fait que copier les choses de Dieu, va leur faire croire que c'est de Dieu. Hein, les gens qui font tourner des guéridons, qui appellent les esprits des morts, etc., c'est du paranormal, mais ça n'est pas de Dieu, ça vient directement de l'enfer. Donc vous voyez comment l'homme veut croire au surnaturel, mais il croit au mauvais surnaturel. Et il veut même fabriquer ce surnaturel, ce qui est encore pire. Et donc il va faire de la robotique, il va fabriquer des choses pour augmenter les capacités humaines. Hein, bientôt on pourra sauter jusqu'à 4 mètres de haut sans effort, ou courir à plus de 100 km/h, aller plus vite qu'une voiture, enfin des choses comme ça, invraisemblables. Mais l'homme s'ingénie à ça. Et l'homme dépense beaucoup d'argent, des millions, des milliards pour cela. Des voitures volantes, bon, je ne dis pas que c'est forcément mauvais. Mais ce qui est mauvais, c'est que la nature de l'homme est de plus en plus dénaturée. Tout simplement parce que l'homme veut se priver de Dieu. Alors la biologie, les techniques de communication, l'informatique, tout cela va à terme, au lieu de faire du bien, eh bien, risque de créer du mal. On va devenir des zombies, ayant une apparence humaine, mais en réalité, ces zombies sont des véritables robots qui perdent absolument toute forme d'humanité. Je continue la lecture, versets 24 et verset 25. C'est pourquoi les conséquences arrivent. Les conséquences de tout ce qui a précédé, c'est-à-dire de tous ceux qui ont retenu injustement la vérité captive. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Vous voyez comme Dieu, il ne fait que satisfaire l'homme dans ses propres convoitises. Tu veux faire ça? Ben fais-le, je te laisse faire, débrouille-toi, tu subiras toi-même les conséquences. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Et on va voir ce que c'est que l'impureté. L'impureté, ça peut revêtir bien des formes. Selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. À force d'adorer leur corps, à force de passer du temps, de dépenser de l'argent à leur corps, ils finissent par idolâtrer leur propre corps. Et ils vont même jusqu'à déshonorer même leur propre corps, en faire des objets de souillure. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et voilà, ils ont modifié les choses à leur façon, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est ce que je disais tout à l'heure, ils ont adoré la créature au lieu du Créateur jusqu'à s'adorer eux-mêmes en tant que créature parfaite de Dieu. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et le monde actuellement vit dans un mensonge généralisé sur tous les plans et dans tous les domaines.
les médias, la politique, même tous les phénomènes sociaux, tout est mensonge. L'homme déteste la vérité. Mais c'est vrai que la vérité, parfois, peut faire mal. Parce que si le Seigneur nous dit « je veux quelqu'un qui vit dans la pureté », qui vit dans la sanctification, c'est-à-dire qui s'éloigne du péché, c'est la vérité. Si nous voulons plaire à Dieu, eh bien, nous devons nous éloigner du péché, de tout ce qui y conduit. Ça, c'est la vérité. Mais pour beaucoup d'hommes et de femmes, cette vérité est dure à accepter. Ils préfèrent vivre selon leur vérité. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, ont le même comportement que beaucoup de païens. Ils veulent vivre selon leur vérité. C'est-à-dire qu'on va leur prêcher à l'Église des milliers de fois les mêmes choses, tenez-vous en garde du péché, vivez dans la sanctification, renoncez à l'impureté, renoncez à l'adultère, renoncez à la fornication, renoncez à l'homosexualité. Mais quelque part, ils vont se dire, oui, bon, on va essayer de le faire, mais finalement, ça nous arrangeait bien. Bon, et puis, après tout, nous vivons sous la grâce, nous ne sommes plus sous la loi. Alors Dieu peut nous pardonner quand même. Vous voyez comment l'homme veut se faire sa propre vérité et n'accepte pas la vérité de la parole de Dieu. Et donc, ils ont changé la vérité en mensonge et adoré la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi, voilà, deuxième conséquence, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Les femmes qui préfèrent avoir des relations sexuelles avec des femmes. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Vous savez, il y a toujours un salaire pour le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Des femmes qui aiment les femmes, des hommes qui aiment des hommes. Ils se sont même enflammés, vous voyez, le terme est fort, ils se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas, ou ils ne veulent pas savoir que ce sont dans les flammes qui risquent de terminer leur éternité. Ils se sont enflammés, mais voilà, la juste rétribution, ce sont les flammes éternelles, malheureusement. Ils commettent des choses infâmes. Sodome et Gomorre n'est pas si loin, je vous assure. Et le monde actuel dans lequel nous vivons est bien pire même que Sodome et Gomorre. Bien pire même que du temps de Noé. Et je crois que Dieu est vraiment très patient. Il n'a pas encore fait éclater sa colère, mais je vous assure que ça ne va pas tarder. Si les hommes ne se repentent pas, si les hommes ne veulent pas faire leur teshuva, si les hommes ne veulent pas demander pardon au Seigneur pour leurs impuretés, si les hommes ne veulent pas se détourner de leurs égarements, alors Dieu châtiera, parce que Dieu est un Dieu de justice. Dieu est amour, oui. On dit bien, qui aime bien châtie bien, mais c'est exactement la même chose pour Dieu. Dieu est un Dieu d'amour, c'est un Père d'amour, il nous aime plus que tout. Aucun amour humain ne peut égaler l'amour de Dieu. Mais Dieu est aussi un Dieu de justice. Et il châtie celui qui pêche et qui ne veut pas se repentir. Et s'il châtie, c'est pour justement nous amener à la repentance. Mais si nous ne comprenons toujours pas, alors je ne crois pas qu'il y ait des solutions à cela. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, pour eux, ce n'était pas un problème. Ils n'en avaient rien à faire de connaître Dieu. Ils connaissent tout ce qui est technique, technologie, avancée, science, etc. Ça leur suffit amplement. Pourquoi aller nous coller à un Dieu en plus qu'on ne voit même pas, qu'on n'entend pas, qui ne nous parle pas, avec tous ces malheurs qu'il y a dans le monde, mais si vraiment il y a un Dieu qui existe, pourquoi est-ce qu'il n'agit pas? Vous voyez le genre de questions que les hommes de ce siècle se posent à tort et à travers. Mais ils ne se sont toujours pas souciés de connaître Dieu. Et donc Dieu les a livrés à leur sens réprouvés pour commettre des choses indignes. Vous savez, Dieu est bon, oui. Mais Dieu aussi nous laisse faire ce que nous voulons. Il nous a donné le libre arbitre depuis le début. Et il nous met en garde. On a Deutéronome 28, il y a d'autres versets où il dit, mais
Si tu veux vivre, fais le bien. Mais si tu fais le mal, sache que c'est la mort qui t'attend. Choisis le bien pour que tu vives. Mais si tu choisis la mort, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Le Seigneur nous laisse libres, totalement libres de faire le bien et totalement libres de faire le mal. Et même dans l'époque où nous vivons, où la Bible est très claire là-dessus, elle dit que celui qui pêche continue à pêcher encore plus. Et que celui qui se purifie continue à se purifier. Vous voyez, il y a un moment où la patience de Dieu est limitée quand même, mais il est tellement bon qu'il nous laisse faire à notre guise. La seule chose, c'est que nous devons savoir que nous paierons tôt ou tard les conséquences de nos agissements. C'est simple à comprendre, mais beaucoup ne le comprennent pas. Beaucoup ne veulent pas comprendre. Beaucoup veulent rester dans l'endurcissement. Oui, Dieu est bon, il va me pardonner. Je vais pécher un peu, et puis après, je viendrai lui demander pardon. Et puis demain, je vais recommencer à pécher. Je redemanderai pardon. Et puis après-demain, je vais encore recommencer à pécher. Ça peut durer des années. Je crois que dans nos vies et à l'heure où nous vivons, il est temps de faire un choix définitif et radical. Si nous ne voulons pas que le Seigneur rentre en jugement avec nous-mêmes. C'est simplement un conseil que je donne. Évidemment, il est valable pour moi aussi, comme pour tout le monde. Je ne suis pas meilleur que vous. Je ne suis pas plus saint que vous. J'ai aussi des défauts. J'ai aussi des périodes difficiles, comme tout le monde. Ceci étant, je m'efforce de plaire à Dieu de toutes les manières possibles. Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Ce n'était pas leur problème. Donc Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Et encore là, il nous parle de l'homosexualité féminine, l'homosexualité masculine, mais il y a des choses bien pires que ça. L'inceste, la pédophilie, toutes ces horreurs, ces abominations. Tout cela n'est que le salaire de l'égarement de l'homme. Et le salaire du péché, c'est la mort. Étant rempli, verset 29, de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité. Ah, la cupidité, c'est incroyable. La cupidité, c'est vraiment, presque le péché du siècle avec l'impureté. Le dieu argent, le dieu mammon. De malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, justement impie qui n'aime pas la piété, arrogant, on en connaît des hommes arrogants chez nos politiciens, hautain, fanfaron, voilà aussi ce qui s'applique à eux, mais aussi à nous bien sûr, ingénieux au mal, ça veut dire qu'ils sont tellement intelligents qu'ils ont une intelligence particulière pour le mal. Quelqu'un qui est ingénieux, un ingénieur, c'est quelqu'un qui est hautement diplômé et qui est capable de construire des choses incroyables, la tour Eiffel, bien, ou des ponts, ou des choses comme ça. Ils ont une intelligence pour cela. Eh bien, dites-vous bien qu'il y a des hommes qui ont une intelligence pour faire le mal, tout simplement. Et cette intelligence, c'est l'intelligence de Satan. De loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. On remarque que dans notre époque, il y a de moins en moins d'amour. Même dans l'Église, il y a de moins en moins d'amour fraternel. On aime bien se critiquer les uns les autres, on aime bien avoir de la rancune, on aime bien médire, on aime bien raconter n'importe quoi. Le pasteur a fait ci, le pasteur a fait ça, pour ceux qui vont dans des églises. Vous savez très bien comment ça peut se passer parfois. De loyauté, il n'y a plus de loyauté. La loyauté et la fidélité, c'est un peu la même chose. Être loyal, ça veut dire être attaché sans condition, même si les choses, des événements malheureux arrivent, on est toujours loyal à une personne. Un mari doit être loyal envers sa femme et la femme doit être loyale envers son mari. On doit être loyal envers son employeur, ne pas faire des choses fausses, ne pas faire exprès d'arriver en retard et de dire qu'on est arrivé à l'heure. Vous voyez, la loyauté, c'est là, ça commence par des petites choses. Affection naturelle, miséricorde, et bien qu'ils connaissent. Bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, c'est-à-dire qu'ils sont mille fois inexcusables, parce qu'en plus de ça, ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses.
non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font, encore pire. Non seulement ils les font, qu'ils les fassent, c'est leur problème, je dirais. Mais le plus grave, c'est qu'ils approuvent, et même, j'ajouterais, ils encouragent les autres à faire comme eux. C'est terrible. Et on est vraiment là, Paul, en fait, il nous dresse un panorama peu élogieux de la humaine. Mais je dirais, c'est presque prophétique, ce texte. C'est un texte prophétique. Ça s'applique exactement à l'époque à laquelle nous vivons. C'est bien sûr que ça existait déjà à l'époque. Ça existait déjà à l'époque, ça existait au temps de Noé, ça existait même avant. Mais regardez comment les choses n'ont fait que se dégrader de siècle en siècle. Jamais, à aucun moment, l'être humain n'a essayé de changer de mentalité pour faire le bien. Toujours plus attiré vers le mal que vers le bien. C'est assez dramatique. Mais l'humanité vit un drame terrible, mais pas à cause de Dieu, à cause d'elle-même. Toutes ces pratiques sexuelles que nous voyons, qui sont condamnables, bien sûr, qui sont des abominations, c'est le résultat de l'idolâtrie de l'homme qui a abandonné Dieu et ses lois. Et nous assistons vraiment en cette époque à des multiplications incroyables de ces désordres moraux dans notre société. Comme le dit l'apôtre, approuvé, et je rajoute même encouragé, même par les autorités. Et ça devient la norme. Ça devient normal. Regardez comment les LGBT, les homosexuels, trouvent incroyable que l'on puisse trouver anormal leur comportement. Hein, ils vont faire des défilés dans les rues, des gay pride, je ne sais pas, même jusqu'en Israël, partout, dans tous les pays du monde. Ils affirment haut et fort leur identité en tant qu'homosexuels et il faut qu'on applaudisse. Voilà, c'est la norme. C'est comme ça et personne n'a rien à dire. Et Paul ne fait que fustiger ces choses-là, malheureusement. Mais il sait très bien que l'homme ne changera pas. 1 Corinthiens 6, verset 9, nous dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, c'est-à-dire les homosexuels, ni les infâmes. » Alors je m'arrête 2 minutes pour vous dire, je ne juge pas les homosexuels en tant qu'êtres humains. On ne déteste pas, on n'a pas à haïr l'homme de toute façon. Mais on a le droit de ne pas approuver ce qu'il fait, ce qu'ils font. On a le droit de dénoncer ces choses. Évidemment, maintenant, on risque d'aller en prison pour ça. Mais bien sûr que nous ne jugeons pas l'homme. Et même nous souhaitons même que Dieu touche leur cœur pour qu'ils changent. Qu'ils viennent au salut en Jésus-Christ, pour qu'ils changent. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est tellement clair. Et même j'ai trouvé la traduction de la Bible Chouraki qui est encore plus explicite. Ne savez-vous donc pas que les injustes n'héritent pas du royaume d'Élohim ? Ne vous égarez pas, ni les putains, ah oui, il le dit, hein, ni les idolâtres, d'ailleurs c'est dans le dictionnaire, ni les adultères, ni les voluptueux, ni les sodomites n'hériteront du royaume de Dieu. Il est clair, encore plus que la traduction seconde. Et donc ils ont le salaire que méritait leur égarement, parce que Romains 6, 23 dit « le salaire du péché c'est la mort ». Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, outre le fait que le péché non confessé, non repenti mène à la mort éternelle, il faut aussi considérer les conséquences de ce type de péché qu'est l'homosexualité, en particulier masculine, sur la santé physique et morale de ces personnes. On a les maladies sexuellement transmissibles, dont le fameux et tristement célèbre VIH qui fait encore des ravages aujourd'hui. Les dépressions, des suicides, des instabilités émotionnelles, etc., etc. Pire, le mariage pour tous qui vient encore rajouter encore à cette abomination. Mais comment peut-on penser un instant que Dieu ne va pas juger sévèrement ces choses qui sont une véritable insulte à sa création, tout simplement? Bien sûr, on connaît le jugement de Dieu sur Sodome et Gomorre, mais j'allais dire,
Nous avons ici pire que Sodome et Gomorre. Dans Galates 5, verset 19, Paul nous parle des œuvres de la chair. Ce sont exactement les mêmes que nous retrouvons dans les versets 28 à 32 qui nous parlent de l'injustice, de la méchanceté, la cupidité, la malice, l'envie, le meurtre, la querelle. Paul va reprendre ça plus tard, donc dans Galates 5, 19 et dans Éphésiens 4, 19, verset 31 et Éphésiens 5, verset 3. Et puis nous avons aussi 2 Timothée 3 que je vais vous lire et puis nous terminerons par cela. Je regarde l'heure, on a encore 2 minutes. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5, qui nous parle des péchés des hommes dans les derniers temps, où nous sommes, bien sûr. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, ça on s'en est rendu compte, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, donc cupides, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Souvenez-vous, au début de ce cours, on a parlé de la piété. Hein? Ils ont l'apparence de la piété. Ils font comme s'ils étaient, oui, des gens très, oui, j'aime Dieu, oui, bien sûr, je crois en Dieu, Dieu est merveilleux, etc. Mais ce sont des hypocrites. Mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là, n'est-ce pas ? Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font, nous l'avons déjà lu. Et donc Paul s'adresse bien sûr à tous ceux qui sont censés ne pas ignorer la loi et qui l'ont même connue, mais qui vont la transgresser volontairement en pleine connaissance de cause malgré tout. Et si encore, on pourrait dire, s'il a transgressé pour eux-mêmes, mais le plus grave, c'est qu'ils poussent d'autres dans le même chemin de perdition, par complaisance, et les encouragent dans ces mêmes voies de mort. Nos sociétés, bien sûr, sont totalement concernées, puisque le mal est désormais considéré comme le bien, et inversement. Et l'apôtre Pierre en parle aussi dans sa lettre. « C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Si tu ne fais pas ce que font tes amis qui vont boire, se saouler, aller en boîte de nuit, coucher avec des filles ou avec des garçons, si tu ne fais pas la même chose qu'eux, ils vont te calomnier, ils vont te regarder avec un air de travers en disant « celui-là, il n'est pas bien, quoi, il n'est pas avec nous. » Mais ces gens-là rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Gare à ceux qui refusent de se soumettre aux modes insensés de nos sociétés. Ils seront forcément l'objet de rejets, de critiques, de mise à l'écart, d'ostracisation par tous ceux qui s'affectionnent au péché sous toutes ses formes. Chers amis auditeurs, j'ai terminé cette étude pour ce soir. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que vous avez pris quelques notes. Et nous nous retrouverons, Dieu voulant, mardi prochain, dans les mêmes conditions, sauf changement. Mais évidemment, je vous avertirai en temps et en heure si, par exemple, l'heure change ou le jour change, ou si nous devons nous rencontrer plutôt sur Zoom que en direct. Vous serez prévenus à temps, ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, que Dieu vous bénisse. Je vais quand même prier pour la fin de cette étude. Seigneur, je te rends grâce pour cette étude biblique. Je te remercie pour tous ceux et celles qui se sont connectés ce soir. Et je prie pour que ces paroles ne tombent pas dans l'oubli et qu'elles puissent vraiment toucher le cœur de tous et nous motiver à nous perfectionner davantage chaque jour pour ne pas ressembler à ces hommes ou à ces femmes qui veulent négliger Dieu et qui veulent marcher selon les convoitises de leur propre chair. Merci Seigneur pour la suite de la soirée. Je bénis la nuit de chacun, je bénis la journée de demain et le reste de la semaine. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse, très bonne soirée et à bientôt.